need to know how Skynet gets built. Who's responsible? The man most directly responsible is Miles Bennett Dyson. Who is that? He's the director of special projects at Cyberdyne Systems Corporation. Why him? In a few months, he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on. Then what? In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers, becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back. Yes. It launches its missiles against the targets in Russia. Why attack Russia? Aren't they our friends now? Because Skynet knows that the Russian counterattack will eliminate its enemies over here. Jesus. Pourquoi vous ai-je raconté tout ça? Pourquoi vous ai-je raconté tout ça? Vous avez bien regardé la tour Bardenclyffe? Vous l'avez bien observée? Ça ne vous rappelle rien de familier? Faites un petit effort. Je vous ai dit que les choses ne sont jamais mieux cachées que lorsqu'elles sont exposées à la vue de tous. Fermez les yeux. Imaginez maintenant que vous êtes sur une route de campagne. Essayez de visualiser tout autour de vous un paysage vallonné. Et sur une butte qui se dresse à l'horizon, que voyez-vous ? En fait, ces tours font tellement partie du paysage et elles sont là depuis si longtemps qu'on ne les remarque même plus. Elles quadrillent nos campagnes, distantes les unes des autres d'une vingtaine de kilomètres. Bien qu'imposantes, protégées par de hautes clôtures et implantées sur des terrains militaires, elles se sont fondues dans le décor. Vous savez, les gardiens du troupeau sont loin d'être stupides. Et ils ont compris la valeur de l'invention de Tesla et le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Sauf qu'ils ne pouvaient pas nous faire payer avec ça. Et ça, ce n'était pas bon. Vous croyez qu'ils auraient renoncé pour autant? C'est mal les connaître, puisqu'ils ne pouvaient pas placer un compteur sur ce système très économique sans soulever l'indignation des masses. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait croire que l'électricité venait d'ailleurs. Il leur fallait trouver une astuce, un leurre, un paravent, quelque chose comme un os à ronger pour détourner l'attention des peuples. Un mode de production électrique suffisamment controversé pour occuper les esprits des moutons pendant qu'ils pourraient exploiter cette énergie gratuite tombée du ciel. Et ils ont mis ça en place partout. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Les centrales nucléaires sont des épouvantails parfaits, compliqués, monstrueuses, dangereuses. Elles permettent néanmoins de centraliser l'énergie Tesla sans que personne ne puisse s'en apercevoir et surtout de gonfler la facture sans que personne ne trouve à discuter. Quand le mouton a peur, il est prêt à tout accepter. Quand c'est pour la sécurité, tout est permis. Oui, ça y est, je parle bien de ces tours-là, dont on nous dit qu'elles sont simplement des radars militaires, également affiliés au service de la météo nationale. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui est météorologie est stratégique. Cela justifie le fait que toutes ces installations soient militaires et que les centres météorologiques se trouvent toujours dans des bâtiments hautement sécurisés. Les bulletins météo destinés au grand public arrivent évidemment en bout de chaîne. Comparez maintenant ces tours radar avec les plans de la tour Tesla. Et s'il s'agissait en réalité des tours Tesla habillées en autre chose? Pensez-y. Les centrales nucléaires ne sont finalement que des centrales à vapeur. Or, voyez ces énormes colonnes de vapeur qui s'échappent des tours
de réfrigération des centrales. Vous ne pensez pas que c'est du gaspillage et qu'on devrait logiquement récupérer cette vapeur au lieu de la perdre ? Depuis le temps, vous ne croyez pas que d'autres systèmes auraient pu être ajoutés pour transformer ce surplus de vapeur en énergie jusqu'au refroidissement complet ? Sauf si les centrales nucléaires sont des leurs. Sauf si nos maîtres s'en fichent parce qu'ils disposent de l'énergie gratuite et illimitée de Nikola Tesla. Ils ne vont pas dépenser de l'argent pour installer des tuyauteries supplémentaires, faire tourner encore plus de turbines avec cette vapeur inutile. Et puis cette vapeur, elle fait illusion. Elle impressionne le mouton qui a besoin de voir quelque chose pour se convaincre que le bidule est utile et qu'il fonctionne. Vous savez que cet été, de nombreuses centrales ont été mises à l'arrêt en France à cause de la canicule. Pourtant, nous n'avons jamais manqué d'électricité. Quand nos maîtres vous parleront du grand reset avec une doucereuse insistance défendant la nécessité de refondre l'économie, l'éducation et l'écologie, demandez-leur de vous rendre d'abord ce qu'ils vous ont volé il y a plus d'un siècle, l'énergie. Alors, j'ai pas envie de déflorer davantage le livre, comme on dit, et d'inviter les gens à le lire. Alors, je termine en général mes entretiens avec une question très actuelle. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes aujourd'hui, dans le monde francophone, au sens large, pas uniquement en France, pour se structurer intellectuellement face à l'adversité des temps modernes et face à ce qui nous attend ultérieurement, mis à part la lecture ? C'est une question très difficile. C'est une question très difficile et je ne sais pas si je peux y répondre et je ne sais même pas si je peux me la poser à partir du moment où je ne comprends que partiellement justement la pensée d'un jeune de 20 ans aujourd'hui. Et quelles sont ses problématiques, quelles sont ses inquiétudes, quelle est sa structuration. J'essaye de le faire. Je pense que j'ai une certaine vision sur la jeunesse en termes sociologiques actuels, française actuelle, qui se défend dans le sens où moi, je mets en avant l'idée que la jeunesse française en 2023 est à mon sens très fortement empreinte de dépression et d'une certaine inquiétude, d'une certaine peur par rapport à l'avenir. J'ai pas cette morgue conservatrice qu'on retrouve à droite, qui est de dire les jeunes sont tous des cons, ils comprennent rien. La génération nanana. Voilà, je pense pas. Je pense qu'ils ont d'énormes atouts dans le sens où ils ont une hyper connectivité à l'information à nos générations on n'avait pas à ce point. Ils ont la chance, d'un point de vue dialectique, de vivre une époque en France qui, à mon sens, est révélatrice ou va être révélatrice de beaucoup de choses, de pas mal d'enjeux fondamentaux et civilisationnels. Mais bon, c'est une chance, c'est une manière de dire, hein, on se comprend. Et par contre, ils ont des obstacles plus importants que les nôtres en termes sociaux et sociétaux qui s'érigent devant eux. Et donc, comment je pourrais conseiller? Tu sais, c'est la problématique de l'accès à l'information. C'est déjà, il faut le vouloir, mais ensuite, il faut le pouvoir. Et déjà, pouvoir accéder à l'information, ça fait référence au travail politique qu'on mène avec Égalité et Réconciliation. Oui. Ça fait référence à ce qui se passe en ce moment avec la question de la censure sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait référence à ce qui se passe. Pour moi, c'est le rapport de force entre Elon Musk et Thierry Breton. Tu vois, c'est ça qui synthétise la problématique actuellement. Mais penses-tu que, parce que cette nouvelle génération, enfin, elle lit très peu,
enfin les ouvrages que l'on a lus étant jeune, mais il est très porté sur les vidéos, sur l'image. Là, j'invite les gens à lire Régis Debray sur cette question-là, de la médiologie. Mais penses-tu que l'oralité, parce que les vidéos YouTube, c'est de l'oralité, qui est un média ancestral, penses-tu qu'il est suffisant, ou en tout cas, qu'il pourrait constituer une porte d'entrée vers une pensée complexe? Parce que YouTube, il y a YouTube et YouTube, il y a de tout. Je pense que oui, je pense que oui, je pense que c'est quelque chose qui a été démontré par Alain Soral, qui est arrivé justement dans le YouTube game très tôt, et avec cette verve et cette oralité, et qui a servi à toute une génération, la mienne hein, évidemment, qui a servi en l'occurrence de porte d'entrée. Donc je pense que oui, après effectivement il y a des limites, mais il y a des limites. J'ai toujours une pensée dialectique, c'est-à-dire qu'il y a des limites à la lecture pure, il y a des limites à l'ouvrage. Hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se transformer en rat de bibliothèque, il ne s'agit pas de lire pour lire, il ne s'agit pas de... Il faut quand même trouver un bon équilibre entre le monde des idées, le monde pratique, et peut-être que ça passe plus aujourd'hui par les vidéos, par l'oralité. En fait, c'est même pas la question des jeunes. Je pense que c'est notre question. C'est plutôt comment on s'adresse à eux. Comment nous, on transmet le message. Et c'est malheureusement, c'est encore sur nous que ça repose. Ça repose tout ça. Mais après, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, quand on parle de YouTube et des réseaux en général, on est en concurrence avec des milliards de contenus produits totalement abrutissants, etc. C'est compliqué de garder, de capter l'attention des gens. Bon, après, le but n'est pas d'éveiller les consciences de 7 milliards d'individus, mais d'atteindre une taille critique capable de peser dans les rapports de force et de provoquer le changement. Ça a toujours été l'histoire d'une minorité. D'ailleurs, dernière question, j'ai cherché partout, j'ai pas vu Jésus dans le livre. Jésus est-il un métaphysicien? C'est un révolutionnaire à sa manière. Pour les cousiniens, oui, c'est un révolutionnaire. Oui, oui, il y a une forme. Oui, bien sûr. Mais... Prochain livre, peut-être le tome 2. Alors, pour tout dire, pour dévoiler un secret, j'ai deux livres en tête. D'accord. Et le tome. Enfin, le troisième pourrait évoquer la question de Jésus. Voilà, j'ai eu le droit à un scoop en avant-première. C'est sur le long terme. En tout cas, je rappelle le dictionnaire de conscience révolutionnaire, la fin de la culture bourgeoise. Donc, vous pouvez le trouver sur Contre-Culture et le commander. Donc, un livre extrêmement intéressant, une porte d'entrée vers une pensée extrêmement complexe et nuancée, et qui ne tombe pas dans le piège de la caricature et de l'anathème. On voit qu'il y a un respect même des adversaires intellectuels de ta démarche et de ta pensée. Pierre de Brague, merci infiniment. C'est moi qui te remercie vivement. J'espère te revoir très prochainement pour le livre 2 et le livre 3. Ça va mettre un peu de temps, hein, mais bon. Là je te mets la pression. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien.